Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV, DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses hein, et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore tout simplement des réalités hein, que nous vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les consultations nationales initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vous le savez, devait prendre en principe fin. C'était le mardi, hein, hier, donc mardi 24 novembre 2020, mais finalement ça a été prolongé hein, à aujourd'hui, mercredi 25 novembre. Mais quelle est la raison fondamentale de cette prolongation hein, de ces consultations du chef de l'État? À en croire en tout cas plusieurs médias, hein, cette prolongation serait le fait que Joseph Kabila a quand même revu hein, sa position par rapport à ces consultations et que finalement le chef de l'État va consulter ce mercredi également d'autres partis politiques, y compris le PPRD. Alors je vais tout simplement vous lire hein, la revue de presse hein, que nous a proposé la radio Okapi hein, qui donne justement cette information qui nous permet hein, de trouver justement la raison pour laquelle le chef de l'État a dû prolonger ses consultations nationales. Alors, la revue de presse hein, de Radio Okapi, hein, bien entendu, de ce mercredi 25 novembre, fait état de ceci. Les dernières tractations en vue de la clôture des consultations entreprises par Félix Tshisekedi sont scrutées dans tous les sens par les journaux parus mercredi 25 novembre à Kinshasa. Ayant appris la clôture prochaine des consultations, Joseph Kabila, après avoir boudé et interdit aux siens de répondre aux invitations du président de la République, a envoyé ses proches, dont le professeur Lumanu, auprès de certains collaborateurs de Félix Antoine Tshisekedi pour solliciter une ultime audience dans l'espoir de sauver la coalition. Et la coalition, hein, face à l'insistance de ses collaborateurs, renseigne congopresse.net. Félix Tshisekedi a finalement accepté de prolonger d'un jour ses consultations pour accorder l'audience non pas à son ancien partenaire de la coalition FCC Cash, mais à certains partis politiques dont le PPRD. Ainsi, les collaborateurs de Joseph Kabila seront reçus dans la foulée ce mercredi 25 novembre 2020 à côté d'autres partis politiques comme l'UDPS, l'AR de Délice Sanga et d'autres personnalités politiques, détaille le média en ligne. Par ailleurs, fait remarquer Forum des As, un émissaire du président kényan était mardi chez Félix Tshisekedi. Objectif complète le quotidien, rapprocher Fatih et Kabila en ce moment où le chef de l'État boude ses consultations. Donc Stéphane Kalonzo Musyoka s'est entretenu mardi séparément avec le président de la République et avec son partenaire du FCC, rapporte le journal. Les proches de Félix Tshisekedi affirment que tout ce monde sera reçu comme parti ou regroupement politique et non comme FCC. Aussi, un proche du président qui a requis l'anonymat a laissé fuiter que près de 97% des personnes consultées se sont prononcées contre la coalition, tout en suggérant au chef de l'État de récomposer la majorité ou alors dans l'impossible
dans l'impossible, dissoudre le Parlement, poursuit le tabloïd. Les consultations s'achèvent aujourd'hui et les grandes décisions sont attendues. Prédit pour sa part la tempête des tropiques. Même son de cloche de la prospérité qui rappelle que lors de son discours en pleine crise politique, Félix Tshisekedi avait promis de revenir naturellement par voie des médias pour donner la nouvelle ligne directrice à suivre sur base de l'union sacrée qu'il aura formée à l'issue de ses consultations. La prospérité qui cite le porte-parole indique qu'une commission est au travail pour compiler les momos, les avis et considérations, d'en faire une synthèse à mettre à la disposition du président de la République qui, dernier ressort, s'en inspirera pour rendre ses conclusions. Actualité.cd explique que cette clôture interviendra finalement ce mercredi et non mardi, comme annoncé précédemment par le cabinet de Félix Tshisekedi, compte tenu de l'engouement que les consultations initiées par le président de la République ont rencontré et tenant compte du fait qu'il y a eu des listes extrêmement longues, la clôture de ces consultations est repoussée à mercredi, a indiqué Kasongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole de Félix Tshisekedi. Voilà, c'était la revue de presse de Radio Okapi que nous vous avons proposé. Une revue de presse riche quand même, qui nous donne la raison pour laquelle le chef de l'État a finalement prolongé ses consultations national d'un jour à aujourd'hui mercredi 25 novembre. La clôture était prévue, je le rappelle, hier, mais vous l'avez bien constaté au cours de la lecture de cette revue de presse que finalement le PPRD, parti cher à Joseph Kabila, qui n'était pas partie prenante à ces consultations, finalement sera à consulter et cela... C'est le souhait aussi de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement Joseph Kabila puisse reculer un tout petit peu, faire cette concession et accepter que ses lieutenants puissent rencontrer finalement le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en vue des discussions. Mais dans l'objectif de Joseph Kabila, c'est toujours de garder cette coalition qui, à son sens, reste salutaire pour le pays, mais peut-être aussi pour lui et pour tous les dirigeants de son régime passé, qui veulent s'accrocher à cet accord qui les lie avec cash de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc finalement, tout concourt. Il y a eu des personnes qui ont été consultées, vous l'avez suivi, une source proche de la présidence de la République qui a requis l'anonymat parle de 97% des personnes qui souhaitent la fin de leur coalition, mais sur les 3%, il faut compter certainement le FCC, mais l'émissaire du président kényan qui est venu et vient certainement dans l'optique toujours de maintenir aussi cette coalition qui n'est pas en tout cas acceptée par la majorité. On ne sait pas quelle sera la décision finale du chef de l'État, lui qui avait promis de n'écarter aucun cas de figure. On va en tout cas attendre de voir ce que va décider le chef lui-même. Mais en tous les cas, avant consultation n'est pas égal à après consultation. Il est clair qu'au regard de ces consultations, Félix Tshisekedi a encore pris un peu plus de volume, mais je ne pense pas que sa réflexion qu'il aurait pu faire avant consultation restera la même après consultation. Félix Tshisekedi qui a initié ces consultations en vue de créer une union sacrée pour la nation, parce qu'il est parti d'un constat que 2 ans après le début de son mandat, le pays tourne en rond, on n'avance pas et donc il fallait nécessairement faire quelque chose en vue d'essayer un peu de décanter la situation générale du pays pour que les institutions puissent fonctionner normalement et que le peuple qui attend beaucoup de ce pouvoir puisse finalement commencer à jouir du fruit de ses attentes. Donc, et que le peuple d'abord ne reste pas un slogan, mais se transforme réellement en une vision qui va finalement contenter tout le monde. Donc voilà un peu la situation actuelle. Mais s'il doit y avoir des discussions demain entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, je pense que les pions ont quand même bougé et que Félix Tshisekedi a pris un peu plus de poids qu'avant ces consultations. Et là, je pense que il pourrait y avoir en tout cas beaucoup de changements.
changement. Donc, wait and see, comme disent les Britanniques, nous allons observer comment les choses avancent. Hein. Et le chef de l'État qui avait promis de revenir auprès du souverain primaire, la population, pour nous faire part des décisions qu'il aura eu à prendre, nous attendons qu'il réalise aussi cette parole-là pour voir ce qu'il décidera finalement au regard des résultats de ces consultations nationales qu'il a eu à initier, qui finalement a eu à récolter un franc succès. Nous devons le reconnaître également. Merci à vous qui nous avez suivis attentivement. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, hein, mais surtout, vous le savez, vous pouvez aussi émettre votre point de vue, votre opinion à travers un commentaire. Hein. On sera bien entendu honoré de vous lire et d'échanger avec vous dans la mesure du possible. Mais surtout, le plus important aussi, c'est de vous abonner à votre chaîne DMTV. Hein. N'hésitez pas en tout cas de vous abonner. Et une fois que vous serez abonné, cliquez également sur la petite cloche de notification qui apparaîtra. Hein. Une fois que vous serez abonné, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour les quelques minutes que vous avez partagées avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.